Love Me Too qui venait pour un deuxième tentative. Non, c'était pas la même Love Me qu'on a vu tout à l'heure, pardon. Love Me Too s'est montré fautif dans le premier virage. Ils sont cinq à avoir pris un net avantage. Last Man se montre fautif à la sortie de celui-ci. Linares, on le reconnaît grâce à la casaque qui est bien respectée, est en troisième position. Leïla Meloise est également dans le coup. Et elle passe même à l'attaque. Non, elle vient se rapprocher en souplesse côté corde. Alors qu'en tête, on retrouve peut-être ce numéro 38, Lorenzo Turgo. À l'extérieur de qui vient Looping Day pour la casaque écurie Hunter Valley. Dans le sillage immédiat des premiers, des leaders, on retrouve donc Leïla Meloise et Linares. À distance, l'Apologie essaye de venir dans le coup pour aborder le dernier kilomètre. Enfin, pour même faire le dernier kilomètre, puisqu'on est arrivé dans le dernier virage. Avec Lorenzo Turgo par Scipion Ligouti et Tétis Turgo qui a l'avantage. On l'attaque en dehors avec Looping Day. Qui, là aussi, dans. La méthode Thomas McVist est déjà très bien mécanisée, très prêt pour sa qualif et va réaliser une prestation très satisfaisante. Ce fils de FaceTime Bourbon et de Daytona Jet s'envole, va craquer avec Lorenzo Turgo sous l'accélération de Looping Day qui s'impose devant Linares. Et belle fin de course à distance, me semble-t-il, de l'Apologie. Impression très favorable. Laissée donc par Looping Day. Alors le soleil joue un petit peu contre nous, mais enfin il fait beau, il faut en profiter aussi, mais malheureusement ça ne permet pas d'aller chercher les chevaux comme on le souhaite. Donc on va s'intéresser à ce Looping Day. Looping Day est un fils donc de Daytona Jet, une jument par Gutmalswood, dont on connaît les très grandes réussites en qualité de père de mère. Voilà, parfait. On voit bien cette casaque rouge, même dans le soleil. Elle avait gagné 8 courses Daytona Jet. C'est une vraie bonne jument de course qui avait fait le plus grand plaisir à ses copropriétaires. Et notamment l'écurie du nom Les d'elle. 5 premiers sont retenus dans ce troisième lot. Le numéro 39 passe en 18-6, le 36 18-9, le 31 19-6, le 30 19-9, le 38 24. Et pour information, le 32 refusé disqualifié 22-4. Les 5 premiers sont retenus. Quatrième lot en piste quatrième. Et donc, après avoir été une super jument de course, Daytona Jet va devenir une bonne jument. La voici mariée. Ah, FaceTime Bourbon, pour nous donner ce Looping Day, son deuxième produit qui se qualifie. Le premier s'était déjà qualifié, une pouliche Caliste du Londel.